Frères et sœurs, je vous invite à lire tout simplement la lecture du jour dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée, desséchée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat, de sauver une vie ou de la perdre ?» Mais eux se taisaient. Promenant alors sur eux un regard de colère, affligés de l'endurcissement et de l'aveuglement de leur cœur, Jésus dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit, et sa main fut guérie. Et étant sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui, afin de le faire périr. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter au psaume 42, les strophes 1, 4, 8 et 9. Psaume 42 dans le psautier français, strophes 1, 4, 8 et 9. Thank you.
Ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Voici, chers frères et sœurs, dans une synagogue, quelque part, en Galilée, le jour du sabbat. Le lieu exact de cet événement a peu d'importance, à dire vrai. La seule chose qui compte est que Jésus soit présent en ce jour de célébration. À son entrée, tous les regards se tournent vers lui. Mais ces regards ne sont pas ceux de disciples qui attendent de lui une parole ou un geste favorable. Ce sont ceux d'adversaires, des regards emplis de soupçons, de défiance, voire de calcul. L'atmosphère est lourde, l'explosion proche. Pour la deuxième fois, après l'épisode de la synagogue de Capharnaüm, Jésus va en effet accomplir une nouvelle guérison le jour du sabbat. Mais cette fois, ses adversaires sont prêts, ils guettent. On notera d'ailleurs au passage que ces derniers comptent avec le fait que Jésus accomplira un miracle, reconnaissant ainsi implicitement ses qualités de thaumaturge. Pourtant, de confrontation directe, verbale, il n'y aura pas. Certes, Jésus passe à l'offensive en s'adressant à un homme à la main paralysée, desséchée, pour user du terme exact utilisé en grec. « Lève-toi, viens au milieu. » En plaçant cet homme au cœur de l'attention, au centre des regards, Jésus ne veut pas échapper à ces regards haineux tournés vers lui. Le lecteur s'attend donc à une polémique de type rabbinique, dont l'homme à la main desséchée et sa guérison le jour du sabbat seront l'objet. Mais ce débat n'aura jamais lieu. Le problème sous-jacent est de nouveau celui du respect du sabbat, en effet, comme lors de sa première confrontation avec ses adversaires. N'est-il pas en train de contredire le commandement que nous avons lu tout à l'heure « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » On pourrait penser que Jésus suscite ici le scandale en se plaçant sciemment, une fois encore, en contradiction avec ce commandement, mais ce n'est, à la vérité, pas exactement le cas. En fait, les adversaires de Jésus se trouvent bien plus dans l'incompréhension que dans le scandale. Du point de vue de la Torah, il est en effet facile de répondre à la question qu'il leur pose. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat, de sauver une vie ou de la perdre? Pour certains rabbins du temps, en effet, il ne faut à aucun prix faire du mal ou, ce qui est pire, perdre la vie de quelqu'un pendant le sabbat. C'est ce qui explique ces séries de cas dont ils débattent alors. Si un homme se trouve encore en vie sous les décombres de sa maison, par exemple, on devra évidemment se porter à son secours. Mais s'il est déjà mort, eh bien, on attendra que le sabbat soit passé pour en dégager le corps. Or, justement, la vie de cet homme à la main desséchée n'est pas en danger et sa guérison aurait pu attendre le lendemain. Si sa main paralysée l'empêche sans doute d'avoir une activité professionnelle, voire une vie sociale, elle ne met pas sa vie en péril.
Bref, l'approche casuistique des adversaires de Jésus aurait en théorie permis de régler rapidement le cas qui leur est posé. Il n'y a donc pas à proprement parler ici de problème, et la question de Jésus n'appelle qu'un silence d'incompréhension. Sur ce coup-là, nous sommes en règle. Pourquoi vient-il donc nous faire des histoires ? Or, le problème n'est justement pas là. Jésus se situe ailleurs. Ce qu'il veut, c'est redonner sens au sabbat, redonner sens à cette loi de Dieu que nous avons entendue. Il ne s'agit pas de mettre en cause le fait d'obéir à Dieu, mais bien la façon dont cette obéissance est conçue par ses adversaires, à savoir comme une obéissance mesurée à la lettre du commandement, à l'analyse d'une prescription selon certaines circonstances, et non selon la volonté première, indépassable et non mesurable de Dieu. Ce que Jésus veut ici, c'est que ses auditeurs abandonnent l'idée de la loi de Dieu en tant que code juridique et la comprennent comme un signe, comme le moyen par lequel Dieu affirme son désir de repos, c'est-à-dire de salut et de vie pour l'humanité. Bref, en aidant l'homme à la main desséchée le jour du sabbat, Jésus privilégie tout simplement la vie au détriment d'une logique mécanique qui n'est autre au fond que celle de la mort, l'esprit de vie contre la lettre morte du texte, si vous préférez. Mais il y a plus. En interdisant théoriquement d'aider l'homme à la main desséchée et en attendant que Jésus le fasse et transgresse donc le respect du sabbat, ses adversaires s'offrent également un argument leur permettant de faire condamner et in fine de mettre à mort Jésus. Le silence qui vient répondre à la question de Jésus en même temps qu'il manifeste une incompréhension est donc aussi une tactique. Ne disons rien. Il en a assez dit en se plaçant en porte-à-faux avec la loi et son interprétation. Nous en savons assez pour le faire périr. Ce n'est pas seulement le mal qui touche l'homme paralysé, mais également le destin même de Jésus qui est ici placé au centre de l'attention par Marc. En voulant accuser Jésus au moyen du sabbat et de la loi, ses adversaires en font un instrument de mort au sens propre, subvertissant ainsi de la pire des façons son orientation première, celle d'une loi de vie instaurée par le Dieu vivant. Le regard empreint de colère que Jésus promène sur eux le manifeste. Le cœur de ces hommes est endurci, fermé à l'amour et à la vie. À la main sèche du paralysé vient répondre la dureté du cœur des adversaires de Jésus. Le thème du cœur endurci, vous le savez, est un classique du discours prophétique. Il est le signe de l'absence de foi, celle d'Israël ou celle de Jérusalem, ne voulant plus écouter son Dieu. C'est donc aussi le signe du péché, du reniement de Dieu. Ce qui regarde Dieu, l'éternel, l'ultime, est ici instrumentalisé au service d'une fermeture, d'un carcan qui empêche d'entendre l'appel à la liberté et à la vie qu'adresse Jésus à l'Assemblée. À sa parole de vie vient répondre le silence de mort et de fermeture à la parole, à l'Évangile et à la liberté. Et ce silence est d'autant plus parlant, si vous me permettez cet oxymore, qu'il manifeste l'accord des forces qui en veulent à la vie de Jésus. Derrière ces pharisiens et ces hérodiens dont il est question à la fin du texte, Marc désigne une alliance objective entre le temple et le glaive, entre la religion et la politique. Jésus le sait et il l'accepte. Il sait ce qu'il attend. Sauver une vie ou la perdre durant le sabbat. Telle est l'alternative que proposait Jésus. Elle ne concerne maintenant plus seulement l'homme à la main desséchée. Elle concerne Jésus lui-même, désormais menacé en plein jour du sabbat par ceux qui veulent l'éliminer. Mais elle désigne aussi celles et ceux qui, en refusant d'écouter, se perdent et choisissent la mort plutôt que la vie. Jésus
se révèle donc une fois encore comme le pourfendeur des conformismes de tout genre, au nom d'une parole de vie, celle à proprement parler de l'Évangile. Sa prédication vaut ici contre toutes les idéologies qui peuvent se dresser entre nous et une vie véritable, qu'il s'agisse de conservatisme comme d'ailleurs de progressisme. Car attention, Jésus ne parle pas contre l'institution du sabbat considérée en elle-même. Il ne s'agit pas d'abolir une pratique fondée sur un commandement du Dieu vivant, mais de dire ce qui en fait le nerf, ce qui constitue la source du dynamisme qui devrait en irriguer la pratique. Il s'agit de lutter contre sa subversion au nom de prescriptions rigides, en valorisant ce qui en est le centre, en mettant en évidence donc la vie contre les conventions et les aménagements théoriques aussi détaillés soient-ils. Obéir au commandement de respect du sabbat, n'est-ce pas justement être en mesure de se libérer de tout pour entendre la parole du Dieu vivant et créateur, y compris en se libérant, si nécessaire, de la lettre de ce commandement. Ce que le texte de ce matin nous apprend, c'est que comprendre la loi divine comme un code immuable, valant en toutes circonstances ou pouvant éventuellement être interprété en fonction de ces circonstances, ce n'est pas l'Évangile. C'est même tout, sauf l'Évangile. Or, voyez-vous, j'entends souvent dire que l'Évangile interdit ceci ou impose cela, et pas seulement dans la bouche des fondamentalistes les plus échevelés. J'entends souvent dire en effet que l'Évangile, c'est se tourner vers les pauvres, c'est voler au secours des réfugiés ou soutenir la cause de celles et ceux que notre société rejette. Tout cela est vrai, bien sûr, mais ce n'est, pour être honnête avec vous, qu'une demi-vérité. L'Évangile n'interdit ou n'impose rien, ou plutôt, il ne nous commande qu'une seule chose, c'est de regarder les choses, et en particulier notre prochain, autrement. Il est beaucoup question de regard dans ce texte de Marc. Le regard des adversaires de Jésus porté sur lui, celui de la foule au moment où l'homme à la main sèche occupe le centre de la synagogue, ou encore le regard de colère que Jésus pose sur ses adversaires silencieux. Mais il y a aussi un regard qui n'est pas mentionné, le regard que Jésus pose sur l'homme à la main paralysée. Or, c'est le seul regard qui compte peut-être ici pour nous. Cet homme, dans le regard de Jésus, n'est pas un cas théorique. Il n'est pas l'objet d'une spéculation éthique ou juridique, comme sous le regard des adversaires de Jésus. Il n'est pas non plus d'abord quelqu'un qui répond à la bonne catégorie, c'est-à-dire à un groupe préalablement défini comme devant être aidé en priorité. Non, il est uniquement, dans le regard de Jésus, une personne, un être de chair et d'os, un être qui vit et dont le cœur bat. Il s'agit, pour le dire d'un mot, d'une créature du Dieu vivant. Or, c'est ainsi que Jésus invite à le regarder, comme un être promis à la vie. Ce à quoi nous invite l'évangile de Marc, ce n'est pas à regarder nos semblables en fonction de catégories, nous autorisant ou non à les aider. Cela, c'est la façon de fonctionner des adversaires de Jésus. Ce que l'évangile de Marc nous demande, c'est de changer de regard face à nos semblables, tous nos semblables, en les considérant précisément comme inscrits dans le dynamisme créateur de Dieu et donc destinés à y occuper une place, la place qui leur revient. C'est alors, et alors seulement, que nous serons à même de savoir quoi faire pour eux. Or, un tel changement de regard qui rejette toute logique de catégorie sociale, sexuelle ou politique, pour ne prendre en considération que l'individu, la personne, ne peut avoir lieu qu'au plus profond de notre être. Il n'est pas le résultat d'une loi formelle appliquée à une situation donnée. Il n'est pas non plus le produit d'une analyse éthique aussi subtile que complexe. Non, la loi divine, cette loi qui nous invite à regarder toute chose sous l'angle de Dieu, est d'abord affaire
d'intériorité. La loi de Dieu, ce n'est pas d'abord du marbre et des lettres dorées, ni non plus ces merveilleux tableaux des 10 commandements que nos ancêtres réformés aimaient à placer dans leur temple. La loi de Dieu, c'est pour user des termes de Rousseau, cet instinct divin, cette céleste voix qui s'émeut en nous du destin de toutes celles et ceux que la vie, la société et les conditions humanitaires asservissent, blessent et meurtrissent. La loi divine, c'est ce regard intérieur qui se manifeste d'abord en nous, dans le regard que notre conscience nous fait poser sur nous-mêmes et sur les autres, dans la pleine lumière de la vérité de Dieu. Comme l'écrit un auteur que j'affectionne particulièrement, Ernst Troeltsch, le sanctuaire calme et silencieux de l'âme, dont le langage retentit si rarement dans notre vie quotidienne, tel est l'endroit où la volonté de Dieu nous adresse directement son appel. On pense souvent que dire cela, c'est se faciliter la vie. Au fond, en parlant ainsi, on s'autorise à transiger avec la parole révélée de Dieu, à l'adapter, à s'écarter de sa source première. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. Affirmer que la loi de Dieu se révèle au cœur de notre âme, dans le plus profond des souterrains de notre conscience, c'est bien en effet en appeler à une forme de colossal individualisme, pour citer encore une fois Troeltsch. Mais cet individualisme n'a rien à voir avec l'individualisme que nous aimons tant dénoncer de nos jours. Car cette dimension individuelle de la décision morale porte en elle une exigence bien plus grande que celle qui consiste à dire « faites ce que Dieu dit, point barre ». Elle nous appelle en effet à discerner la volonté de Dieu au plus profond de nous-mêmes, face à chaque situation concrète, en regardant celui qui est devant nous les yeux dans les yeux, sans masque et surtout sans faux-fuyant idéologique. Bref, elle nous invite à être des adultes et non des enfants soumis à telle ou telle vision du monde, en assumant une responsabilité individuelle qui a tout d'une lutte et d'une épreuve. Or, ce discernement, cette épreuve, seule la foi en est capable. Seule l'action replacée devant l'ultime, seule notre capacité à nous situer toujours mieux dans le flux de la force créatrice de l'univers est à même de nous apporter la lumière nécessaire à ce discernement. Ce n'est pas la loi dans sa généralité ou son détail qui fait la différence, mais le contact personnel avec l'autre sous le regard de Dieu. C'est dans la relation avec autrui, dans notre relation avec ce qu'il y a en lui d'ultime, d'éternel, de divin, que se trouve le critère ultime, lui aussi, de la volonté de Dieu. Or, considéré de la sorte, la loi divine est tout, sauf une abstraction, un juge intangible et immuable. Elle devient la parole vivante, interpellante, pénétrante que Dieu nous adresse. Elle est ce glaive flamboyant de la parole divine dont le réformateur Guillaume Farel avait fait le symbole de son action. La prédication et l'action de Jésus ne visent pas un message éthique ou politique précis, aussi fraternel soit-il, mais d'abord Dieu lui-même. Dieu en chacune et chacun de nous. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une proclamation morale ou sociale, mais un rappel, un appel à replacer Dieu au cœur de notre vie et de notre rencontre avec autrui. Or, cela n'a rien d'une facilité. C'est au contraire une forme de radicalisme devant lequel tout le reste, oui, tout le reste, est appelé à s'effacer. Il faut mesurer, je crois, la portée de ce radicalisme. Trop vite, en effet, on craint le désengagement moral, le refus de se confronter à la pauvreté, à l'injustice sociale ou au désordre politique lorsque l'on insiste sur le fait de placer Dieu au cœur de notre regard sur le monde avant de nous soucier de ce qu'il nous est demandé d'y accomplir. Mais justement, c'est en faisant ce pas de côté, le côté de Dieu, que nous pourrons savoir comment faire pour bien faire. Il s'agit certes d'une décision personnelle, purement personnelle, mais d'une décision réalisé sous le regard du Dieu créateur,
ce qui est le sens premier du fameux Coram Deo de Luther. Oui, une telle décision n'a rien d'une facilité, assurément. La raison de tout cela en est que Dieu n'est pas non plus une formule morte et mortifiante, mais une puissance de vie. Dieu est vie et amour et nous invite à être vie et amour à notre tour. La sainteté, pour user de ce gros mot, à laquelle nous sommes appelés, n'est sainteté que lorsqu'elle est rayonnement de l'amour et de la grâce de Dieu en nous. C'est ce que dit implicitement Jésus quand il fait référence à sa propre mort. Lui-même incarnera cette puissance de vie jusque dans la mort, une mort pour rien et donc justement une mort pour tous sous le regard de Dieu. Ne détournant donc pas trop rapidement le regard de ses adversaires de Jésus au cœur endurci, car ce cœur endurci peut aussi être le nôtre. Ce cœur endurci, comme celui de Pharaon dans l'Ancien Testament, est tel en raison de sa fermeture à la foi et à l'amour de Dieu. Mais dire cela ne suffit pas. Il faut en effet prendre cette attitude au sérieux, car elle nous guette, chacune et chacun. Elle nous guette lorsque, laissant Dieu de côté, souvent sans le savoir, nous croyons le défendre, mais nous nous défendons en réalité nous-mêmes, en nous réfugiant dans telle ou telle vision préétablie du monde pour éviter de nous laisser concerner par sa parole. Paul parlerait ici de notre propre justice. Le texte de ce matin a donc valeur d'avertissement. Nous sommes toutes et tous capables de révéler un cœur endurci et de répondre à l'appel du divin par un silence de mort. Contre cet endurcissement, contre ce silence qui vient répondre à la détresse de notre prochain, il n'y a qu'un seul remède, ouvrir les yeux et porter sur autrui, sur notre prochain, le regard de la foi, de l'amour et de la grâce en nous laissant habiter par le regard de Dieu lui-même. Et voyez-vous, j'ai tendance à croire que ce regard de Dieu, nous sommes à même de le percevoir dans celui de toutes celles et ceux que nous sommes appelés à croiser, pour peu que nous sachions ouvrir les yeux et les regarder vraiment. Sachons donc ouvrir les yeux, sachons faire place à la liberté et aux initiatives libératrices de Dieu en nous gardant des fermetures. Restons vigilants et veillons, chers frères et sœurs, veillons. Amen.